Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc ça sera une vidéo, ma collection de palettes Beauty Bay. Donc ma collection s'est bien agrandie depuis. J'ai commandé ma toute première commande, il me semble, l'année dernière. Et là, de janvier à maintenant, j'ai fait que de commander sur Beauty Bay. Et du coup, j'ai une très belle collection de palettes. Que je fasse pas tout tomber. Hop là. Beauty Bay. Voilà toutes mes palettes Beauty Bay. Donc, on va commencer par les plus petites. Donc, la plus petite que j'ai de la marque Beauty Bay. Donc, c'est une petite palette, une nouveauté. Et il y a 16 fards dans la palette. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est une récente. Je ne l'ai pas encore testée. Mais elle est très belle. Dans les tons rose, rouge. Vraiment, elle est très belle. Ensuite, les palettes que j'ai celle-ci. Donc, celle-ci, c'est une de mes premières que j'ai eues. Voilà. Donc, je sais que cela, on ne peut pas les retrouver. Donc, elle est comme ceci. Le fard-ci, là, il est arrivé cassé, mais je l'ai réparé. Donc, ça ne me posait pas de problème. Mais elle est très belle. Franchement, la qualité Beauty Bay. Mais je vous les conseille à 1000%. C'est une très bonne qualité. Ensuite, j'ai celle-ci. Hop, qui est dans cette teinte-là. Il y a 20 fards dans ces palettes. Voilà. Donc là, il y a 20 fards. Là, il y a 20 fards. Et là, il y a 16 fards. Voilà. Ensuite, la palette de Noël, aussi pareil, 20 fards. Elle est très belle. Vraiment, c'était obligé. Il y avait du violet dedans et tout. Elle est magnifique, celle-ci. Ils sont tous belles. La petite dernière, évidemment, Passion Violet, c'était obligé que je me la prenne. Et elle est comme ceci. Vraiment. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas vraiment testée. J'ai juste testé ce fard-ci, mais les autres, je n'ai pas encore testé. Donc, dites-moi en commentaire les palettes que vous aimeriez que je teste en vidéo. Voilà. Non, parce que je vois qu'il y a une couleur là. C'est à moitié... on croit que c'est sali. Ah, voilà. Ensuite, je vais vous montrer des palettes en collaboration. Donc, j'ai cette palette-là qui était en collaboration avec, je ne sais plus, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais c'était une collab avec Beauty Bay et vraiment très belle. Ça, c'était mon mari qui me l'avait offert. Et vraiment, il avait fait une affaire parce que il me l'avait trouvé à, je crois, à 12 euros au lieu de 30. Donc, vraiment une affaire. Vraiment, elle est très jolie. Celle-ci, j'avais fait un maquillage avec pour un make-up de Noël. Elle est sur ma chaîne si vous voulez aller voir ce make-up. En collab, j'ai celle-ci, la Halo Coralie. En collab avec Beauty Bay. Pareil, celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Et faut que je n'ai pas trop d'inspiration. En fait, quand je la vois, je ne me vois pas trop quoi me maquiller. Je la trouve belle. Là, il y a des highlighters. Il y a deux fards irisés. Donc, un fard irisé ici et un fard irisé ici. Et le reste, c'est que des mats. Donc, voilà pour ceci. Et chez Beauty Bay, franchement, leur palette arrive toujours bien protégée. Toujours dans du papier bulle. C'est ça que je trouve bien. Franchement... Et là, ça coince. Voilà. Ça arrive comme ça. Et dans sa boîte. Et franchement, c'est bien protégé. Franchement, moi, depuis que j'ai commandé, j'ai une seule fois une casse, comme je vous ai dit, mais j'ai réparé le fard. Et ça n'a pas posé le problème. Donc, voilà pour cette petite palette en collab. Et ensuite, je vais vous montrer mes grandes palettes. Donc, une de mes premières grandes palettes, c'est la 2.0. Donc, c'est celle-ci. Et elle est vraiment très belle, celle-ci. Hop.
Ensuite, j'ai celle-ci. Elle est très très belle aussi, celle-ci. Évidemment, j'ai testé les violets. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci, la jade. Moi, j'appelle la jade. Celle-ci, vous pouvez les retrouver hein, sur Beauty Bay, par contre. Et il y a 42 fards dedans. Donc, voilà. Dans les trois palettes que je vous ai montrées, il y a 42 fards. Et vraiment, c'est des très belles palettes à petit prix. Donc, les grandes, ils coûtent 23 euros. Et souvent, les plus petites, celles-ci, je crois que je l'ai payé 10 euros. Et les plus petites, genre comme ceci, c'est entre 16 et 18 euros. Ça dépend des fois. Et vraiment, pour la pigmentation, moi, je vous les recommande parce que c'est très bien pigmenté. Et mes deux petites dernières, c'est cela. Vraiment magnifique. Donc, celle-ci, pareil, il y a toujours 42 fards. Donc, il y a une partie violet et une partie bleue. Franchement, je me suis maquillée avec. Je crois que je l'ai testée une ou deux fois. Et franchement, elle est trop, trop belle. Évidemment, j'ai testé beaucoup le violet, pas encore trop le bleu, mais elle est vraiment jolie. Et celle-ci, voilà, mon make-up du jour, c'est avec cette palette-ci. Et vraiment, la pigmentation, vous voyez. J'ai tout fait avec mon trait d'eyeliner. Franchement, elle est magnifique, cette palette. On est toujours sur 42 fards et elle se présente comme ceci. Vraiment, elle est trop, trop belle. Donc, j'ai testé, du coup, j'ai testé ce vert-ci. J'ai testé ce vert-ci-là, celui-ci. Dans mon creux que j'ai là, j'ai mis celui-ci. Et en trait d'aligner, j'ai testé celui-ci. Voilà, franchement, elle est magnifique. Je vous conseille ces palettes parce que franchement, c'est une pépite. Donc, voilà pour ceci. Moi, je suis amoureuse de cette marque. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, je suis contente. Ma collection, vraiment, s'agrandit pour la marque Beauty Bay. Et elle est vraiment... J'aime bien. J'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer aussi les deux produits que j'ai pour le teint. Parce que vu que c'est de la marque Beauty Bay, c'est justement là. Et c'est ce que j'ai fait avec aujourd'hui. Donc, on a le highlighter, franchement, il est l'envoi du pâté. Franchement, il est trop, trop beau. Je vous le conseille. C'est la référence glacée. Et vraiment, mais oh, il est trop, trop beau. Vraiment. Je vais juste faire ça. Vous allez le voir. Il est mais magnifique. Franchement, Beauty Bay, c'est des petits prix. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est pigmenté, mais vraiment, c'est trop trop beau. C'est bien pigmenté. Et j'ai ce blush là aussi. Et vraiment, il est magnifique aussi. Il est trop trop beau. Je vais vous le swatcher. Il est très bien pigmenté. Hop, il est comme ceci. Et vraiment, trop trop beau. Donc voilà, je vous ai montré mes palettes de ma collection Beauty Bay. Et les deux fards pour le teint. Donc les deux fards, je veux dire l'highlighter et le blush pour le teint. Et vraiment, Beauty Bay, j'adore. Franchement, j'adore cette marque. C'est à petit prix, comme je vous ai dit. Je vous laisserai du coup, si j'y arrive, en barre d'infos, le site internet de Beauty Bay. Et si j'arrive bien, je vous dis si j'arrive bien, je mettrai le lien de toutes les palettes que j'ai en barre d'infos si j'arrive à les retrouver. Mais autrement, si vous n'arrivez pas à les retrouver sur le site Beauty Bay, je vous invite d'aller voir sur Vinted. Je pense que sur Vinted, c'est même sûr. Vous allez trouver. Moi, il y a deux palettes qui me manquent dans cette taille de palette-là. Donc, je cherche. Mais il faut faire attention parce que sur Vinted, souvent, les personnes vendent cher. Donc, vous ne faites pas avoir non plus. Désolée, je bug. Donc voilà pour cette vidéo, ma collection de palettes Beauty Bay.
Bah, dites-moi en commentaire si vous avez déjà commandé sur le site Beauty Bay, si vous avez déjà testé des produits Beauty Bay. Et puis voilà, moi je suis pas prête de m'arrêter de plus commander sur Beauty Bay parce que j'aime beaucoup cette marque. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour ne pas oublier mes prochaines vidéos, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un commentaire. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à plus tard. Allez, bye bye!